more than your rent. Fuck y'all mad at me, folk. Got a black card and a black phantom with a white bitch in Idaho. I do the same thing in Montana. Got a thick bitch in Atlanta. Got a red bone in the shop. Got two chains, they two-tone, 200 racks, no lie. Allez, Bombayé. Allez, Bombayé. Et salut à tous, c'est Compton 3998 et aujourd'hui, une vidéo sur GTA V. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait pour l'éditeur qui est sorti il y a 4 jours, il me semble. Il est enfin là, il a été vraiment attendu. C'est un peu ça qui m'a donné envie de rejouer au jeu. Parce que j'avais un peu délaissé le jeu. Je m'en lassais, on va dire. Donc, on va éditer pour commencer un affrontement. Ne faites pas l'introduction parce que c'est chiant. Directement affrontement. Et ce sera pas juste pour la vidéo, parce que c'est un affrontement que je voulais faire. Alors. Parce que là, en fait, ce que je veux créer... Voilà, sur le toit, ça serait pas mal. Alors, déjà, faut mettre un titre. Alors, qu'est-ce que je pourrais l'appeler? Affrontement... Bataille de joueurs. Voilà. Attendez, bataille de joueurs. Bataille de joueurs. Voilà. Donc, bon, ça on verra après la description. Alors, joueur max, deux joueurs. Arme disponible, bon, ça on verra après. Donc, ensuite, il faut placer la zone d'activation. C'est en fait là où les joueurs vont se réunir pour participer et ben à cet affrontement. Donc moi je la mets là. Là. Voilà, comme on peut voir, voilà, il y a le logo de l'affrontement. Ensuite, je vais commencer par les éléments du décor. Je vais pas mettre des barrières. Ah ouais, mais je sais pas si ça va faire assez de place là en fait. Non, ça va être trop petit. Ça va être trop petit, trop petit, trop petit, trop petit. Putain. Je pensais que c'était plus grand que ça, en fait. Bon, attendez. Alors, attendez, je sais ce qu'on va faire. On l'enlève. Enfin, on peut pas l'enlever, mais... En fait, je vais essayer de trouver un endroit plus grand. Bon, je vais pas directement me téléporter, parce que j'ai peur que ce soit une... Voilà, moi, je voulais un endroit. En fait, parce que je voulais le parquer un peu comme un terrain. Ça pourrait être sympa, là-dessus. Ah, j'ai trouvé. Magnifique. Magnifique. Donc là, hop, ici, je la mets, la zone d'activation. Ensuite, je vais commencer à placer les éléments du décor. Je vais essayer d'y parquer un peu en fait. Hop, un préfabriqué. Deux préfabriqués. Grand en tôle petit. Hop. Voilà. Attendez, je réfléchis. Voilà, et là je vais en mettre un. Non, pas un des préfabriqués. Là je vais mettre. Pas une barrière. Élément du métier, pas panneau. Rampe, machine, benne. Voilà. En fait, je vais m'en servir un peu comme une ligne médiane en fait. Là c'est le milieu, parce que là c'est vraiment basé deux joueurs. Voilà, le milieu c'est à peu près là. Clac. Sauf qu'il m'en faudrait un petit maintenant. Ça va loger. Impeccable. Ah ouais, mais j'ai peur que ça soit un peu... Voilà. Parce qu'en fait, je vais faire une bataille à la grenade. Ah ouais. Une bataille à la grenade. Ça, ça peut être bien. Donc voilà, là on a la ligne médiane, on va dire. Hop. Ça va être pour deux joueurs.
Ah, alors que j'ai eu un message sur Facebook, vous avez entendu, désolé. Alors, on va parquer de l'autre côté. Conteneur, attendez. Un là. Un là. Parce que j'aime bien quand c'est parqué, moi. Je sais pas pourquoi. Voilà, au lieu de mettre les deux trucs, on va carrément mettre un grand truc. Voilà. Donc, après, point d'apparition. Alors, un. Alors, on va en mettre un là. Un peu plus devant. Deux. 3 et 4. 4 suffisent pour ce nombre de joueurs. Point de départ équipe, ben, équipe 1, pareil, hein, même endroit. Équipe 2. Non mais en fait ça sert à rien parce que si on est que 2 joueurs, on va pas faire des points de départ équipe. Ah mais on est obligé de les faire. Ah ça fait chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. Voilà, équipe 2 de l'autre côté quoi. Hop. Voilà. Donc ensuite, je voulais mettre d'autres éléments de décor, mais pas des conteneurs. Voilà, boîte à caisse. La zone doit être dégagée. Voilà. Un là. Et je vais en mettre un seul de l'autre côté aussi. Bon, c'est pas grave si c'est pas tellement mieux. Et un là. Voilà. Bon, c'est pas tellement au milieu, mais c'est pas grave. Je sens que ça va être une belle bataille. Faudrait peut-être que je ferme un peu plus. Ah ouais, mais là ça va pas le faire. Conteneur vide, conteneur. Un là. Un là. Attends, c'est avant ou après? Attends. Faut que je fasse une vue. Ah oui, c'est par là. Un là. Et un là, voilà. Donc ça c'est fait. Donc ensuite, arme. Donc on va mettre, eh ben, j'ai dit que c'était une bataille de grenades. Donc grenade. On peut mettre grenade et fumigène, hein, c'est pareil. Donc voilà. On va les mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Hop. Voilà. Les joueurs auront de quoi faire. 3. Alors attends, 1. 2. 3. Vite, parce qu'il faut qu'on ait le temps de le tester. 1, 2, 3. Voilà, là c'est la ligne médiane. Alors attends. 1. Bon, s'il n'y a pas le même nombre, c'est pas très grave, on s'en fiche un peu. Mais faudrait essayer que ça soit équitable. Ah non, et à la place en fait là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui. À la place là, je sais ce qu'on va mettre plutôt. Grenade, bombe collante, gaz lacrymogène. 2. 3, 4. Ah putain, faut que je zoome. 1, 2, 3. Putain, il n'y a pas tellement de place en fait. 4, si c'est bon. Comme ça, on va en mettre là aussi. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. Ah. Merde. Bon, bah, mais là, tant pis. Voilà. L'affrontement est prêt. Donc après, en fait, ce que vous faites, là, on va essayer de le tester vite fait pour vous. Ce que vous faites après, une fois que vous avez rempli tous les noms, faut obligatoirement mettre un nom, un titre, une caméra de salon, et comme ça, après, vous aurez plus qu'à faire tester et publier. Donc là, on fait le test rapide. Ah, mais j'ai fait pistolet en arme imposée. Donc c'est pas top. Qu'en fait, la base de mon truc, c'est bataille de grenades. Donc voilà. Bam. Hop là. Putain, j'ai pas de force. Faudrait que je lance par-dessus. Bon, voilà, la vidéo est en train de s'arrêter. Donc, sur ce.